Le fameux Touch Your Coconut. Bon, Thomas. Qu'est-ce que tu veux? Qu'on ne te dérange pas. Ah, ça, je joue au jeu. Moi, le bas, je me cherche un arc. Là, je suis. Il reste un arc. BF, c'est très bien aussi. Il reste un arc en plus. Peut-être des arcs. C'est En rare, même ça. temps, c'était BF, arc ou baguette. Les trois sont très utiles. J'aime bien avec la BF, c'est que je peux partir soit mage, soit l'autre, enfin les autres combos. Alors qu'avec avec arc, c'est généralement pas trop vers les mages, quoi. Je suis pas fan de leur compo mage, moi. Donc, ouais. Je comprends. T'es un bad run. Je trouve trop trop instable. Ouais, je comprends. Ok, j'ai Guinzo. J'ai arc. Ça me fait quoi? Slayer. Ce qui est très très bien sur Samira par exemple. En fait, Samira, tu fais des trucs on hit. Est-ce que quand elle fait son ultime, chacun de ses coups est considéré Oui. comme ok, putain. D'où le fait que je fais des trucs on hit. Je comprends. Tristana, ça peut être un carry? Genre Tristana, si je la monte bien? C'était un 3, oui, ça se joue. Ok. C'est Love Carry de la compo sharpshooter. C'est Nidalee Puel. Les 2-3 étoiles. Et Samira, mais bon, Samira. Oui, faut le voir. Samira, just Samira Things, quoi, tu vois, c'est. Samira, même si tu te mets avec des mages, elle fait le café, donc. Enfin. Bon, Menchnana. So watch me, watch me, nana. J'ai déjà un très bon stuff pour une Nidalee carry. Petite Nidalee élu sharpshooter, et là vraiment on est bien. J'avoue que j'ai toujours pas idée d'élu non plus. Damoula. Un Veigar. Ouh, Tristana mais Sharpshooter. alors, si on me propose Diana élu assassin, Bah moi on propose là c'est Tristana différent. Sharpshooter. Oh bah. Avec Sharpshooter je mets quoi? Je mets des brawlers devant? Ou des vanguards? Putain, c'était quoi qu'on jouait avec Sharpshooter déjà? Je l'ai joué une fois, mais je sais en plus ce que c'était. Ou des duelistes? Plot twist? Attends, de toute façon, tu peux mettre des vanguards, hein, mais. Ce sera meilleur que le reste, mais. Et c'est sûr que c'est pas. Enfin, c'est mieux Vanguard ou Brawler? En fait, pour protéger une backlane, Vanguard ou Brawler en général? Généralement Brawler. Ça dépend du lobby. Ok, ouais. Si c'est pas un mage. Oh, les PV de la putain de connasse. Je suis con aussi, j'oublie de mettre Timur. Tam, 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 tam. Ta Ta mo mo. ta 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 mo. Giant Slayer sous la Tristana élue, c'est ok ou... Pas ouf. Une statique est très bien sur ce que ça a. Statique. Votre celle-là, elle va avoir une des attaques de taré en fait. Parce que c'est son spell.
elle a son Q-spell en fait, Tristana, donc elle augmente sa vitesse d'attaque quand elle fait son spell. C'est ça. Le tout avec les rebonds, c'est plutôt fort. C'était close. Thibaut. Alors, par contre, le positionnement, je suis toujours dans les box. Alors. Alors pour la Chosen Sharpshooter... Oh, le Tamken, je tente qu'il s'est mort là. Trop pour moi. En gros, tu vas jouer des Vanguard avec. Mm-hmm. Mais bon, pas les petits Vanguard quoi. Genre les Sejuani, les Horn, les Aatrox. Sejuani Aatrox quoi. Ouais voilà, c'est ça, ouais. Normalement tu joues les 5 Sharpshooters. C'est Julien Aatrox et Zilean. Zilean. Mm-hmm. Mystique. Fanatique. Attends, c'est qui l'autre? Il y a Aatrox, il y a Zilean, c'est quoi le truc? Sivir. Ah putain, je suis troisième. Oh la douille. Sivir. Jean-Michelin Sivir. Connard. Pourquoi je pique 3ème grand? On était 3 et fatalement il faut que ce soit moi qui pique 3ème quoi. T'as ce con c'est. Hmm? Les crocs qui font la musique là. Je crois que j'ai enlevé le truc. Wow. Tiens, j'ai une civière tu veux? Allez. Oh le butin c'est mort là. Nice ça, le petit gangan. Il me faut des BF maintenant. Il ne faut plus que des BF d'ailleurs. Bon, qu'est-ce que je fais avec tous mes trucs moi? Par ça, il va me falloir. J'ai pris ça en attendant, mais en fait, je la joue pas. Canon ultra rapide, c'est non. Deux. RFC. Ouais. Bah, en fait, le truc, je préférerais avoir double statique qu'un RFC en fait. Si tu veux jouer Tristana. Hein. Si tu veux je te fais Nidalis qui dans mon opinion est mieux. Pourquoi il y a un Tam Kench IE Dernier Souffle? Je pense qu'on lui a moitié aussi, on lui a dit que c'était autre chose que Tam Kench. Je pense également. Du coup, c'est quoi qu'il faut mettre sur la Tristana si je veux monter la Tristana? Tristana, c'est des statiques, vraiment, c'est le must ou. Enfin, le truc à vitesse d'attaque. Oui, mais pas URFC, tu me dis, par exemple. Bah, ça peut, mais je pense que tu préfères double statique que RFC. Et la Swissper? La Swissper, ça peut, mais il faudrait une IE avec. Moi, j'attendrai les Krugs, déjà, pour voir ce que t'as. Est-ce qu'au niveau... Non, au niveau 5, on a toujours 0% de chance d'avoir un 4 étoiles, hein. Non, au niveau 5, on en a 2. T'as 2% de chance? Généralement, pour les crocs, moi, je passe niveau 5. Hein. Ouais, hein. Enfin, je le fais avant, comme ça, ils sont déjà là, mais bon... C'est ça, oui, mais en fait, c'est des petits trucs comme ça que je suis en train d'essayer d'apprendre, le timing.
Ouais, généralement, moi j'essaie d'avoir le niveau 5 pour les trucs. En général. La spatule dans le truc qui t'intéresse, enfin, moi qui m'intéressait, c'était la spatule Warlord. Ça, tu sais. J'ai eu que de la merde. Bah, j'ai eu un Nico, moi. En fait, j'ai eu Arc Armure que j'avais déjà. Et que j'avais déjà mis comme item. Donc, ça m'intéresse pas de blinder en fait. Faut des BF, Captain Ras. Vanguard. J'ai les guides, besoin. En fait, tu vois les deux carry qui se jouent dans ma compo. Mm-hmm. J'ai tous leurs tout leur moitié d'items qui leur manquent. Et il me faut que des BF pour compléter. C'est-à-dire que là, j'ai besoin de 5 BF. C'est quand même ça va pas mal de BF. Hein. C'est beaucoup là, non? En vrai. Est-ce qu'il y a pas un monstre? Non. J'avoue que là, le. Dame Kenshi, le dernier souffle. Eh, il fait mal, hein? Merde. C'est bizarre, quoi. Je m'attendais pas à ça dans le Dame Kench. Il m'a pété la gueule. Logiquement. Je pourrais très bien faire donc la IE et dernier souffle, c'est comme ça, et la suspe. Et là il me reste quoi? Titan. C'est quand même bizarre que t'aies pas trouvé un seul autre sharpshooter quoi. Mais c'est... oui j'en ai pas hein. J'ai eu Timo quoi. J'ai trouvé Avant-Garde et Nautilus, mais c'est tout. Vraiment une BF, hein. C'est ouf. Il me faut des champions, moi. Il me faut les deux, moi, mais Bon, tous les deux, ouais, on a tous les deux pris quand même assez cher. C'est un truc de dingue, hein. Allez, tout. Vas-y, je viens. Ah, c'est joli. Ok, là, on va parler. Est-ce que je préfère Esprit 4 ou est-ce que je préfère Assassin 4? Shooter. Enlève-vous. Enlève-moi. Je pense que je préfère Esprit 4. Salut vide. Salut. Tu fais mal. Bah, je reste une compo assassin quoi donc. Oui, c'est logique. Okay, je me suis battu Vayam. Diana, ça reste vraiment pas mal. Putain, je vais piquer deuxième quoi, du coup, sérieusement. Bon, l'avantage, c'est que t'as plus besoin de l'arme et d'arc que de BF quoi. Mais, bon, ça y a 3 BF. Ben, moi, y'a rien d'autre qui m'intéresse en fait. De quoi? Bah là Ah oui là c'est BF je pense oui. Ça, c'est à ça, défaut. Hein. Il y a pas d'arc et il y a pas de larme. Ouais, ça, là je t'ai laissé la BF parce que en 3 enfin je voulais prendre la BF mais je t'ai laissé au moins la 3 étoiles que c'était tranquille mais. Ouh, mais j'avoue aussi, que hein. Le truc c'est que là moi c'était vraiment la déchéance. Est-ce que je mets Giant Slayer sur la Tristana ou est-ce que je mets plutôt un Guardian Angel? Ou aucun des deux? Bah, s'il y a des brawlers dans le... C'est vraiment des joueurs de brawlers dans le truc, un Giant Slayer c'est bien.
Sinon c'est pourri, à part ça. Il y a deux joueurs brawlers. GA c'est ok s'il y a trop d'assassins dans, dans le lobby. Bon, bah, déjà il y a moi, donc c'est pas mauvais. Il y a un mec qui joue meurtrier avec, avec Zed et Katarina, donc en fait, ça peut être bien aussi. Je me dis juste que en fait, t'as raison, GA c'est bon quoi qu'il arrive, alors que l'autre c'est bon. Bah, en fait, GA c'est pas bon quoi qu'il arrive. GA c'est bon contre des assassins. En fait. Contre les mages c'est peut-être un peu moins intéressant. Mais... Parce que au final, s'il y a de toute façon, en fait le principe du GA, pourquoi ça devient bien contre les assassins, c'est parce qu'en fait les assassins vont sauter sur tes carries, buter tes carries, ton carry va passer en GA, l'assassin va se repartir sur ta front lane, parce qu'il aura buté tout ce qui est à l'arrière, c'est ça. Et ton carry va respawn et pouvoir être en free DPS le temps que ta front lane fasse son taf, en fait. J'ai laissé passer Nyumi, je suis un connard. D'accord que j'XP toujours hein. Ou pas. Ça dépend, enfin non là tu pourrais roll pour tenter d'avoir des. De monter des personnages en fait. Ouais. Même au niveau 5 en fait, puisque normalement dans la compo Sharpshooter tu joues Nidalee carry et Tristana off carry, tous les deux 3 étoiles. C'est ça. Là c'est aucun des deux, j'ai même pas encore une seule Nidalee. Donc voilà. Ok, je recommence à gagner, ça fait du bien. Moi pas. J'ai gagné deux fois, mais là je viens de reperdre. Je suis tombé contre qui? Il est faux? Ouais, je suis tombé contre le deuxième quoi. Il me faut plus de Lila. Putain, j'ai toujours pas de paille quoi. Terrible l'histoire. Ok. L'Italie. Enfin. Tamo. Ah, une BF, quand même. Putain, ils vont en fier aucune, quoi. Thomas de... Enfin, de les équiper ma Tristana, vu ce que j'ai eu. J'ai un statique. On n'a pas de quoi déséquiper? Ah non, j'ai quoi de reforger? Ah fuck! Du coup, ça répond à ta question. Ouais, du coup, genre bon. Donc qui est-ce qui me manque là? Micheline? Micheline. Donc s'il me manque Micheline. Putain, s'il veut bien arrêter de me disarme. Non oh, putain, mais nuque arrive à me bouffer quand même, mais gros. Oh, tout à l'heure, il y a quand j'étais dans ma dernière game juste avant, j'avais un 7, tu vois, et il a ciblé une Kindred qui a fait son dash, qui a esquivé l'ultime, enfin qui allait, qui devait la grave, et du coup, mon set est parti en animation mais sans Kindred, et Kindred en a profité pour le tuer. Je savais pas que c'est possible. Ok. On avance petit à petit. Tu mettrais Luden sur Nidalee toi, c'est ça? Non, je mettrais Spellcrit, Ginzo, Shojin. Du coup certainement pas en Luden parce que t'as besoin de deux baguettes et d'une larme mais pour d'autres trucs. Shojin, c'est tiré BF que je n'ai pas. Yes, ça gagne.
Putain de race. Je trouve pas Mediana, ça me casse les couilles. Ok. Du coup, tu veux dire que je vais faire quoi d'autre à part Shojin? Shojin, Ginzo, spell crit. Spell crit, c'est fait. Donc Ginzo, il me faut un arc et une. Fuck, j'ai pris l'arc. J'ai pris l'arc et j'ai pas pris la baguette. Fuck, je m'as joué. Moi, j'ai reforgé mes items et j'ai eu que de la merde. Du coup, un peu le seum. Ouais, du coup, tu me conseilles de faire la même chose? Je reforge aussi ou quoi? Comment ça se passe? Bah, c'est random en fait, le seul problème. Ouais, mais est-ce que là j'ai soit statique, soit j'ai URFC. Déjà j'ai une FC à 3. Et Runan, c'est bien ou pas? Runan, c'est pas ouf en vrai. Parce que c'est son spell en fait, Anidali, qui fait mal, c'est pour ça que tu joues Ginzo RFC spell crit en fait. C'est ça. Ok. Enfin, Ginzo. Shojin spell crit, pardon. La Tristana 3, elle va m'emmerder. Merci pas avec Killa Stun parce que sinon j'étais mort. Ah, pas qu'il a fait un bon stun. Ah bon, t'as fait, hein. Il a stun ma backlane entière. Yep. Il me faut ma Diana 3, sinon je suis mort. C'est la priorité absolue. Allez, il m'en manque une, la putain de WAM. Oh, j'ai des crafts, ça m'a donné BTGA. C'est clairement pas dégueu ça. Par contre du coup, qu'est-ce que je mets sur qui? Est-ce que je ferai pas mon Timo en vrai? Bof. Mais enfin, mieux que rien, hein, mais... Même s'il passe 3 Je vois pas pourquoi il passerait 3, mais oui. C'est tout seul. Et en fait, le truc, c'est qu'une fois que t'as tes personnages importants au niveau 3, il faut juste Power XP pour aller chercher ta Samira, etc. Parce que t'as besoin du tireur d'élite 6, en fait. C'est le défaut du tireur d'élite sur cette version actuelle, par rapport à la version précédente. C'est que le dernier tireur d'élite, il est pas 4 étoiles, il est 5 étoiles. Par contre, j'ai toujours pas eu d'Atrox. C'est chiant. Toujours un Garen de merde. Ah, de la tuile, merci. Il me faut de la tuile en plus. La spatule, par contre, c'était non merci. By the way. J'ai une. Ah, je peux faire un élu assassin. Donc, il me faut un gant. Enfin, je peux faire un assassin quoi, du coup il me faut un gant. Je fais une Kindred assassin. Et... la pire idée. C'est bon, comme ouais, si j'avais fait un spell crit, c'est pas mal en fait. Je sais vraiment pas quoi faire, je vais pas mentir. Est-ce que le Morello sur la Nidalee ça compte, vu que ça, c'est un truc qui rebondit sur tout le monde ou pas? Je suppose. Vas-y, fais un Morello sur Nidalee.
Il y a beaucoup de joueurs de mage. Hein. Et ouais. Je confirme que ça marche. Très bien ça. Pratique ça. Quoi? Oh mais putain Minu! Mais d'où t'arrives à bouffer une unité 3 étoiles en un coup toi? Mec il a un UNU 2, même pas élu, avec juste un vieil item point de vie, il arrive à bouffer une unité 3 étoiles. El famoso. Jamais j'avais moins de points de vie que toi. J'ai plus de points de vie que lui de base. T'es full life. Bref, je comprends pas. C'est 8 hein, que je dois être, ou 9 pour la Samira. C'est 8. Okay. Parce que normalement, ça, là j'ai 1%, mais c'est quoi, c'est 5% C'est 5% au niveau 8. Ouais. Et 12 au niveau 9. Mais... T'as vraiment lui, il a une Samira équipée, et c'est pas la même. Ouais, je viens de battre un niveau 8, je suis assez content. Sinon j'étais mort. Faut que je passe niveau 8, enfin... Ouais ça, faut que je passe niveau 8 au plus vite aussi. En fait il manque quoi du coup Thomas? Parce que si j'ai Samira, il me manque quand même une place. Je l'ai dit. Je sais pas alors. Zilean. Oui, c'est vrai, Zilean. Qui fait de le fanatique et surtout le fait qu'il raise les personnages. Tu dis vrai. Ce sera pas top 8 déjà. Puisque j'ai jarté l'autre dernier. Bien joué ça. Éliminant les faibles. Ah oui c'est vrai, on est déjà en item complet en fait, chouette. Mais y a ce que je veux donc tant mieux. En vrai, la petite bannière de commandement. Ah. Je pense que je vais jouer le 7 comme ça, tel quel. En 7 assassin. C'est Vanguard. Parce que c'est comme un... C'est... De quoi? Vanguard ici devant moi. C'est Vanguard ouais. Ça peut être bien non? Bah t'en as déjà deux, ça te fera pas monter le truc. Moi j'aurais pris Warlord, qui est de l'autre côté, sur le Vladimir. Et Warlord c'est... Parce qu'à Nidalee. Parce qu'en fait, Nidalee et Samira normalement sont Warlord je crois. Mais Samira elle est pas Warlord non, c'est Azir. Ah oui c'est Azir. Ah oui c'est parce que j'avais mis une Samira Warlord la dernière fois. Donc tu m'as baisé. Bah du coup ça fait que tu peux chercher Azir ou... Samira. moi j'avais fait une Samira Warlord, parce que je trouvais ça bien. Bah de toute façon je vais lui mettre parce que... Voilà. Mais Samira elle va rester ici... On va voir ça que ça. C'est très bien ça. Et Orn je la mettrai pas à la place de genre... C'est Johnny. Ça peut mais j'aime vraiment bien Orn pas. Je veux dire c'est joli. J'aime vraiment bien c'est joli pour le contrôle qu'elle apporte quoi. Oui ça je suis d'accord. Ouais, t'as raison même je pense. Parce que je vois un petit Orn. Orn aussi contrôle hein mais moins efficacement sur moi. Mais là ouais de c'est joli vraiment. Allez Emilius on meurt. Ça sert à rien de s'éloigner maintenant Emilius. T'es pas mort mais ça sert à rien de s'éloigner actuellement. Vu que c'est calculé par rapport au malus de points de vie que tu as. Faut de la thune, il faut de la moula pour pouvoir passer niveau 8 et avoir mon assassin 8, mon assassin 6. Samira 2. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, faire un. Si tu joues assassin, mettre une spatule assassin sur quelqu'un, c'est comme lui dire t'as un spell crit. Ah, Emilius, c'est fini. J'ai achevé ton le mec que t'as. Cette fois-ci, je combat Trader et j'espère que je vais pouvoir buter son putain de Nunu relativement rapidement.
Ça va, il a pas mangé ma... Il a mangé autre chose que ma Diana, donc du coup, ça va. Et Shredder... Ça dégage... Ah, un point de vie, non mais sérieusement, moi, je mais t'inquiète, je l'achève au prochain tour, du coup. Un Runan. Kindred, I guess. Si je chope une Kindred, je pense que je revends ma Kindred pour mettre mon, mon Rabadon sur, sur 7. Ça, j'ai un 7 assassin Rabadon. Je peux t'assurer que le, l'ulti va faire mal. Hein. Parce que l'ulti a x3 de dégâts. Vu qu'il aura 90% de chance de crit et genre... ah bah une Kindred, parfait. On va faire ça. Mais Runan, je mets ça sur qui? Tu sais, les deux 5 étoiles dans la backlane, je les ai éclatées en une demi-seconde. Il y avait Zilean Samira dans la backlane, je me suis pointé, j'ai fait « Meurs !» T'es contre Shredder ou pas du coup? Ah non, il est contre un autre, mais il est en train de se faire péter quand même. Parfait. Ok. Ok, le problème c'est contre qui je vais tomber maintenant en fait. Parce que là je suis tombé contre le mec qui est juste au-dessus de moi. J'arrive pas à, passer, à repasser ma Kindred 2, mais bon, c'est pas gravissime, mais c'est un peu chiant, quoi. Je me dis bien qu'il faisait sombre dans ma chambre. J'ai allumé ma, ma petite lumière, mais pas ma grande. Ah, je suis contre Toucher Coconuts. Je suis contre une image, je sais pas qui... Qui a... Diana 3 avec IE spell, spell vent. C'est moi. Je t'ai défoncé. Ya, ça c'est moi. J'ai battu Toucher Coconuts. J'étais parce que Blazikovic, je veux bien perdre. Merci. On est tous les deux top 4. Nice. Parfait ça. Ça c'est pas donné en plus de vu notre début. J'ai un Zilean, tu attrapes? J'ai déjà. Okay. Bah attends, pour, comme ça il passe 2. Ah ouais. Voilà, okay. C'est envoyé. Je roll et. Peut-être après. Encore après. Ah, vous pouvez vous passer des trucs ou c'est juste. Pas du tout. Pas du tout, c'est une vanne. Tiens, Azir, je mets Azir ou pas? Moi j'aime bien Azir, hein. Le mais Warlord il est fort sur Samira, etc. Bah mais... tu le mets à la place de Zilean. Et je perds cultiste? Tu perds cultiste, mais tu gagnes deux soldats, plus le bonus sur ta Nidalee et sur ta Samira 2. Hein. J'avoue. J'avoue qu'en plus là y a Talon qu'il faut que tu. Ah bah on est l'un contre toi d'ailleurs. Ah, et tu me... ah là tu me fais mal par contre quand même. Ouais, c'est le problème de m'avoir dans ta backlane en fait. Parce que juste avant, je te viens de te battre, mais là, j'avoue que. Oh, Samira qui a failli faire le clutch, mec, Diana qui a fait encore un plus gros clutch. Samira, ça fait mal, hein. Mm-hmm. Par contre, c'est dire quand même que je suis tombé deux fois de suite contre toi, hein. Ouais. Mais enfin, t'es tombé contre mon lignage puis contre moi, quoi. Par contre, là, qu'est-ce que je veux? Moi, je veux un pistolam. Bah, je veux une Warmog. Je veux un Blue Buff. Azir Blue Buff, ça se fait? Il te reste qui Azir, c'est ok. Ouais, éventuellement. C'est mieux que rien. Ouais, hein, c'est pas ouf les autres trucs, hein, mais bon. Du dead est pas oufissime, donc, de toute façon, donc. Ah bah voilà. J'ai tous mes persos 2. Sauf 7, évidemment. J'aimerais bien avoir 7-2. 7-2 assassin, Rabadon, pistolam. C'est marrant. Zilean, j'abandonne, hein, du coup, ouais, d'accord. Zilean, tu peux abandonner, je pense. Sauf si t'as des chances de passer 9. Mais... Ah, en vrai, t'as de la thune, hein. Tu pourrais passer 9 et poser Zilean. Hein. Ouais. Je suis moitié convaincu. Tu peux, hein, c'est pas une. C'est pas. Bon, lui, il est mort, hein. Il dégage. Hop. Ce sera toi qu'on demande au final, je pense.
Il y a des chances, parce que Cerberus, je l'ai battu. Et moi, je pense que tu le bats également. Et j'ai un Yone. Yone ou 7, élu assassin. Je pense que je préfère Yone, hein. Vas-y, je préfère Yone, je pense. Ouais, bah, je suis content d'image. Moi contre Cerberus. Logique. Alors, Cerberus. Comment ça se passe? Cerberus. Ah bah je suis mort contre ton image parce que j'étais très très mal placé. Moi son soin m'a fait un peu chier mais il est bon. Oh il est pas bon. Ah, bah je l'ai pas bon. Troisième ça reste ok. Ah t'es mort. Ah. Oui je me suis fait éclater par ton image parce que j'étais très très mal placé pour toi en fait. Mes assassins jumpaient à gauche au lieu d'à droite. Mais c'est ma faute, hein, j'aurais dû me replacer parce que je savais que je tomberais pas contre Cerberus. Une petite BT là, et lui il a quoi? Un Shoji. Oui, Shoji là. BT, tu peux mettre ça sur Nida. Sur Sivir, je pense. Hein. Mm-hmm. J'ai pas d'autres meilleurs porteurs, je pense. Bon, je vais le faire. J'ai rien vu. Je sais même pas ce que je cherche là. Bah, Azir, j'imagine. Azir ou un perso. Je cherche à deux persos, donc ouais, Azir en priorité parce que. Bon, 1v1, moi je roll down en général. Surtout quand il y a aussi peu de points. Comme je suis assez lent, à partir du moment où je suis en round, je sais que ça sert plus à rien, donc autant économiser pour avoir les golds pour le prochain round. Hmm. Et bon, il est mort. Il n'existera pas. Ouais, charge le tour, c'est fort. Yep. Je passe gold.